Promis, monsieur Hancock, la camionnette sera prête ce soir. Non, pas ici. On va nous voir, arrête. Arrête, je te dis. Annie ? Phil. Annie ! Salut, Ben. Salut, Joe. Au fait, est-ce que t'as nourri les chevaux ce matin ? Non, désolé, je m'occupais de la camionnette. Annie ! Annie Hancock, où te caches-tu? Je suis là, papa. Ah, voilà ma petite fille. Je suis plus ta petite fille, papa, j'ai grandi. Tu sais quoi? Tu seras toujours ma petite fille. Ah, la voilà. Oui. Où sont les garçons? Joe? Ben? J'ai une bonne nouvelle. Les moissons sont finies et on a atteint nos quotas. Tout juste, mais pour moi, c'est suffisant. Bravo les garçons, vous avez bien bossé. Merci. Merci. Chérie, va te changer. Tu ne voudrais pas rater la fête des moissons? À tout à l'heure. On se retrouve là-bas. Ça marche. J'adore cette chanson. T'as pas changé d'avis? Non. Je pense à mes parents, c'est tout. C'est le moment, faut qu'on y aille. Je t'attends dehors, d'accord? D'accord. Joe? Oui? Tu veux bien me rendre un service, s'il te plaît? Bien sûr, tout ce que tu voudras. Donne ça à mon père dans une demi-heure. Mais... d'accord. J'arrive pas à réaliser. J'ai l'impression d'être une héroïne de conte de fées. Annie, par cette alliance, je te fais mienne. Ben, par cette alliance, je te fais mien. Je vous déclare maintenant mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Plus personne n'attend la permission. Toutes mes félicitations. Merci. Viens. Arrêtez. N'aie pas peur. Ne faites pas ça, vous êtes trop jeune pour vous marier. Papa, s'il te plaît, essaie de comprendre. Comprendre quoi? Tu n'as que 18 ans. Ta mère va être dans tous ses états. Et tous tes beaux projets d'avenir. Tu entres à la fac à l'automne. Papa, écoute, je veux faire ma vie avec Ben. Il n'est pas encore trop tard. On va faire annuler le mariage. Monsieur Hancock, j'ai trouvé du travail à New York. C'est une super chance pour moi. Pour tous les deux. Je commence dans 2 jours. Je veux partir avec Ben, parce que je l'aime. Elle m'aime et je l'aime, monsieur. Dans ce cas, tu feras ce qu'il y a de mieux pour elle. Au fond de toi, tu sais que j'ai raison. On y va, Annie. Prends tes affaires. Ben... c'est d'accord. Ça te permettra de réfléchir à tout ça. J'espère qu'avec un peu de temps, tu retrouveras la raison. Ta paye partira avec les papiers d'annulation. Monsieur Hancock, t'es quelqu'un de bien. J'ai de l'affection pour toi. Ne me fais pas regretter de t'avoir fait confiance. Ça n'arrivera pas, monsieur. Un jour, je vous le prouverai.
Annie! Joe? Qu'est-ce qu'il y a? Tu l'as refait. Quoi? Oups. Je suis désolée, vraiment désolée, mais je trouve ça dommage de porter une aussi belle bague alors que j'ai les mains pleines de boue à longueur de journée. C'est important pour moi que tu la portes. Bon, d'accord. Écoute, voilà ce qu'on va faire. Tu fais ce que tu veux avec la bague, pourvu qu'on fixe une date. On le fera. On le fera, promis. C'est juste que j'ai encore pas mal de travail pour obtenir cette bourse d'études. Comment veux-tu que je révolutionne l'agriculture et qu'en même temps je trouve un moment pour trouver la parfaite robe de mari? Marie-toi en salopette, c'est pas moi que ça dérangera. Ça fait presque 2 ans qu'on est fiancés, t'imagines? Je sais, mais j'ai passé mon diplôme universitaire. Bien sûr, et les semaisons, et la moisson, et ta mère que tu ne veux pas laisser seule. Il y aura toujours une raison de repousser. Et on forme une bonne équipe. C'est d'accord. On va le faire. T'es sérieuse? Oui. Oh, génial. Alors, dans un mois, à compter d'aujourd'hui, juste après la récolte. Oh, à l'automne. C'est ma saison préférée. Annie? Oui? Du courrier pour toi. Oh, j'espère que c'est pour ma bourse. Vous deux, croisez les doigts. Alors? C'est la fondation, elle réclame davantage de précision sur mes recherches. Tu ne vas pas te servir de ce prétexte pour repousser le mariage? Vous avez enfin fixé une date? Après la récolte. Oh, je suis tellement contente, félicitations. Merci. Chérie, ton père aurait été si heureux pour toi. Il rêvait de mener sa fille jusqu'à l'hôtel. Je sais, maman. Je pense à lui tous les jours. On a un mariage à organiser? Oui. Tu es sûre que ça va? Oui. Oui, pourquoi est-ce que ça n'irait pas? C'est l'idée du mariage qui lui file le trac. Non, j'ai pas le trac. Et puis d'abord, le trac, c'est pas mon truc. Je reviens, j'ai laissé quelque chose à la maison. Un divorce? Comment c'est possible? Le mariage a été annulé. Anthony McAllister. McAllister. Bonjour, je voudrais parler à Monsieur McAllister. Oui, je vois. Non, ça fait rien, je rappellerai. Oh, c'est un vrai cauchemar. Qu'est-ce qui est un cauchemar? Où est Joe? Il est occupé, pourquoi? Viens t'asseoir. Papa avait bien rempli les papiers d'annulation de mon mariage. Bien sûr que oui. Alors comment t'expliques ça? Un divorce? Ça ne tient pas debout. Je sais, seulement j'ai pas le choix. Je dois me présenter au tribunal de New York avec Ben. Je dois y être après-demain si je veux pas risquer des poursuites. Comment je vais expliquer ça à Joe? J'ai jamais eu le courage de lui avouer que Ben et moi, on s'était mariés en secret. Oh, ça va pas lui plaire du tout. Eh bien, dis-lui que tu as été convoquée par la fondation au sujet de ta bourse. Je suis convaincue que c'est l'administration qui a fait une erreur. Bon, faut que je réserve un billet d'avion. Vois le bon côté des choses. Tu vas visiter New York? Merci. C'est sûr, on est très loin de l'Iowa. Oh, excusez-moi. Notre mariage commence à prendre forme. Mais croyez-moi, ça n'a pas été une mince affaire. J'ai été épouvantée par les arrangements floraux que François a osé me présenter. Je veux du verre chartreuse, il me propose citron vert et il joue les offensés. Une chose est sûre, les filles, c'est que vous allez craquer pour mon nouvel architecte. Moi, je plains le futur marié.
excusez-moi. Un instant, s'il vous plaît. Voilà. Oh, je vous demande pardon, je vous ai pas vu arriver. Non, ça ne fait rien. Vous vouliez un renseignement, peut-être? Oui, je cherche Anthony McAllister. Au fond du couloir à gauche et première à droite. Merci. Inutile de tambouriner sur la porte, je crois qu'il n'est pas là. Vous savez quand il revient? Non, désolé. Annie? Ben? J'avoue que je sais pas quoi dire. Tu pourrais commencer par bonjour. Oui, oui, bonjour. Bonjour. Vraiment, tu as l'air très en forme. Oui, toi aussi. C'est gentil. Oh, t'es là pour... Oh, pour voir ton avocat. Tu bosses ici? Oui, oui, je travaille ici. Oh. Voilà, je suis là parce que j'ai reçu une demande de divorce. Oui, tu veux pas qu'on aille discuter par là? On sera plus tranquille. Je vais essayer de joindre Tony. D'accord. Donne-moi ça. Merci. Ton patron a un bureau splendide? Je crois que ce compliment lui fera très plaisir. Tu l'apprécies? Il a ses bons jours et ses mauvais jours. Là, je crois que c'est un bon jour. C'est sa messagerie. Tony, c'est Ben. Rappelle-moi au plus vite. Bon, alors, je voudrais bien savoir pourquoi on doit divorcer, toi et moi. Je croyais que notre mariage avait été annulé. Attends, t'as pas eu mon message? Non, tout ce que j'ai eu, c'est une convocation au tribunal assez intimidante. J'avais demandé à Tony de l'envoyer avec le carton. Je vais t'expliquer. Excusez-moi, monsieur Lawson. Vous allez être en retard à votre rendez-vous si vous ne partez pas tout de suite. J'en ai pour une seconde, Tracy. Merci. Attends, on est dans ton bureau? Mmh. Incroyable. Le garçon de ferme a fait son chemin, hein? C'est plus classe que la ferme. Hé, hey, j'ai eu ton message au moment où j'arrivais. Tony? Oui? Voici Annie. Ravi de vous connaître. Faut qu'on y aille. Un rendez-vous urgent. Je te brieferai dans l'ascenseur, grouille. Je dois y aller, mais j'en ai pas pour longtemps. T'es à quel hôtel? Je suis venue directement de l'aéroport. Je vois. Tracy? Tracy, vous installerez Mademoiselle Hancock dans notre appartement de fonction. Dites à Hector de l'y conduire. Bien sûr. Merci. C'est pas la peine. Je vais me débrouiller. Non, non, j'insiste. Attendez. Vous êtes la fameuse Annie? Annabelle Hancock? Oui, c'est ça. Pouh, la boulette. Dites-lui qu'on s'en a dans 10 minutes. Non, non, c'était pas prévu dans le contrat. Non, il faut que ce soit fait avant. On se voit tout à l'heure. Attends une seconde. Hector, bonjour. Voici Mademoiselle Hancock. Une vieille amie, je vous la confie. Prenez bien soin d'elle. Je suis obligé de rejoindre Tony. On s'apprête à finaliser un contrat. Mais promis, après ce rendez-vous, on pourra discuter. Vous nous suivez, Hector? Oui, monsieur. Appelez-moi dans 1h30. Très bien, c'est noté, monsieur. Il vit à 200 à l'heure, hein? Oui, mademoiselle. Croyez-vous qu'il ait le temps de profiter de cette vie trépidante? Je crois qu'il n'a pas le temps de se poser la question. Oh, il y a moi? Oui, mademoiselle. À la ferme, je conduis des tracteurs. Oh, j'ai pas vraiment l'habitude des limousines. Ça vous ennuie pas si je m'installe devant? Ce sera un plaisir pour moi. D'accord. Merci, monsieur. Mais je vous en prie. Ah! Ouf, quelle journée! Excusez-moi, mettez-nous la même chose que mademoiselle. Merci. Annie, merci, tu as été d'une patience d'ange. Maintenant, nous sommes tout à toi. Tant mieux. J'aimerais comprendre cette histoire de divorce parce qu'à ma connaissance, on n'est plus mariés. Voilà, c'est simple. J'ai découvert récemment que votre mariage n'avait pas été officiellement dissous. Il n'y a pas d'acte d'annulation, aucune trace écrite, nulle part. Je ne sais pas ce qui s'est passé. La poste a dû égarer le courrier. Je sais que c'est embêtant, mais rassurez-vous. Oui, c'est embêtant, très embêtant. Je me marie le mois prochain. Eh bien, c'est parfait. Donc, il vaut mieux pour vous deux qu'on règle ça le plus vite possible. Pour nous deux? Je dois me marier aussi, samedi en 8. Vous ne le saviez pas? Non. Je l'ignorais. Bref, c'est pour ça qu'on vous a convoqué aussi vite. Dans l'état actuel des choses, aux yeux de la loi, vous deux êtes mari et femme. Ça craint, non? Bon, mais... quand le juge aura entendu notre histoire, il va tout de suite nous accorder le divorce. Bien sûr. Parce que Joe ne comprendrait pas qu'on ne puisse pas se marier le mois prochain. Quoi? Tu vas épouser Joe? Mon vieux pote Joe? Oui. Oui, lui-même.
J'ai toujours su qu'il avait un faible pour toi. Oui, et réciproquement. Je sais pas ce que j'aurais fait sans lui. Habituellement, il y a un délai avant que le divorce soit prononcé et que la séparation devienne officielle. J'espère accélérer le processus en m'appuyant sur ces circonstances très particulières. Mais j'insiste, il est primordial que vous soyez tous deux présents demain pour apporter votre témoignage. C'est d'accord. Je serai là. Maintenant, je vous prie de m'excuser. Je sais que ça fait cliché, mais nous, les fermiers, on se couche avec les poules. On n'a pas beaucoup de poules à Manhattan. Je vais demander à Hector de te déposer à l'appartement. Non, ça va, je vais prendre un hôtel. Je t'en prie, dis oui, c'est la moindre des choses. Après tout, on t'a forcé à venir à New York. Très bien, je suis trop fatiguée pour discuter. Merci encore. Ça va aller? La voiture est devant la porte, je devrais arriver à la trouver. Très bien, dans ce cas, à demain. Ne soyez pas en retard. Ouais. Allô? C'est moi, maman. Annie, ça va, chérie? Oui, excuse-moi, je sais qu'il est très tard. Oh, ne sois pas bête. J'attendais ton coup de fil. Alors, c'est comment New York? Et notre petit problème? Oh, si... Si tout se passe bien, demain, on n'en parlera plus. Tu as vu Ben? Comment ça s'est passé? Eh bien, c'était... Comment dire? Bizarre et j'étais pas très à l'aise. Il fait des investissements, il a très bien réussi. Et je sais pas, je l'ai trouvé changé. Oui, c'est normal après tout ce temps. Non? Si on songe aux circonstances dans lesquelles vous vous êtes quitté. Ouais. Est-ce que ça va de ton côté? Oh, bien, tout va très bien. Sauf que tu me manques beaucoup. Bon, maman, je vais raccrocher. Je vais avoir une journée éprouvante demain. Je te rappellerai, d'accord? Entendu. Je dirai à Joe que tu l'embrasses? Oui. Au revoir, je t'aime. Bye. Allô? Oui, je suis prête, Hector. Je descends. Merci. Johanna? Surprise, mon amour. Oh, j'ai hâte de tout modifier dans cet appartement. Tel qu'il est, c'est impossible de recevoir. Oh, on peut parler de ça une autre fois, je dois filer au bureau. Tu ne voudrais pas que ta femme vive dans un endroit aussi banal? C'est tellement pas moi. Pas nous. Pas pour nous. Attends une seconde. Je veux que tu vois les plans avant de les renvoyer à l'architecte. Je peux t'accorder 5 minutes. Tu vois, ce mur-là, je le fais sauter et je fais repeindre la pièce en blanc immaculé avec des touches de rouge et noir. Le concept, c'est pureté, audace, modernité. On n'avait pas opté pour des couleurs plus chaudes? Et si tu fais tomber ce mur, où est-ce qu'on va mettre le vieux coffre de ma grand-mère? On lui trouvera la place qui lui convient. Tu vas être épaté par l'espace qu'on va gagner une fois que le piano sera parti. J'ai jamais dit que je voulais me débarrasser du piano. Tu m'as affirmé que tu n'avais plus jamais le temps d'en jouer. Je regrette, il ne cadre pas avec mon projet. Oh, je t'en supplie, laisse-moi faire. La déco d'intérieur n'est pas un travail pour moi. C'est une vocation. Je vais faire de notre foyer une véritable œuvre d'art. Tout ce que je veux, c'est ton bonheur. Si tu dois tout bouleverser pour ça, c'est d'accord. Maintenant, je dois y aller. On se retrouve pour le dîner? Dans ce nouveau restaurant sur Madison. On pourrait juste manger ici, pour changer. Ils font un canard à l'orange succulent à emporter. Ouais, à ce soir. Merci. Bonjour, Hector. Tenez, c'est pour vous. Merci, mademoiselle Annie. Puis-je vous appeler Annie? Bien sûr, c'est mon prénom. Un prénom pour une femme douce et attentionnée. Continuez à me flatter. C'est très classe comme appartement, mais comment dire, c'est un peu trop froid à mon goût. J'espère que vous avez passé une bonne nuit. Je me suis levée à l'aube. Je peux pas m'empêcher, c'est dans mes gènes.
Et puis tous ces coups de klaxon et ces sirènes, quelle horreur! Oh, c'est loin d'être aussi bruyant dans l'Iowa. Oh, je vais vous dire la vérité. En réalité, j'ai pas fermé l'œil. Je m'inquiète pour aujourd'hui. Je peux vous poser une question? Évidemment, tout ce que vous voulez. Depuis quand vous travaillez pour Ben? Depuis qu'il a fait ses débuts dans l'entreprise. Il était très différent des autres jeunes hommes. Il était parfaitement poli et chaleureux. Déjà à l'époque, il n'avait pas grand-chose en commun avec les jeunes cadres supérieurs avec lesquels il était en compétition. Il travaillait plus dur que tous les autres réunis. Un peu comme s'il était à la poursuite d'un rêve. On dirait bien qu'il l'a décroché, son rêve. Ce n'est pas pour ça qu'il est comblé. Tout va bien? Oui, je suis pressée d'en finir. Parfait. On est prêt. Mesdames, messieurs, levez-vous. Maître McAllister, je ne pensais pas vous revoir de si tôt. Madame la juge, je pensais que c'était le juge Norton qui devait présider. Il a eu un empêchement. Ce sera donc moi. Cette affaire ne devrait pas vous prendre trop de temps. Souhaitons-le, maître. Je vous écoute. Voilà, il y a 15 ans, Benjamin Lawson et Annabelle Hancock se sont mariés. Ce mariage a été annulé, du moins, c'est ce qu'ils croyaient. Pourquoi n'est-ce pas le cas? La demande d'annulation a bien été envoyée, mais il n'existe aucune trace de cet acte. Aucune preuve qu'il ait été validé. Je l'ai découvert en rédigeant le contrat de mariage de mon client. Or, pour Monsieur Lawson, il est vital que le divorce soit prononcé au plus vite. Parce qu'il se marie samedi. Samedi? Samedi prochain? Oui, madame. Eu égard à ces circonstances exceptionnelles, je demande que le divorce soit prononcé avec effet immédiat. Vous vous rendez compte de ce qui se passerait si j'accordais un passe-droit à tous les avocats qui me le demandent? Eh bien... Je souhaite entendre le couple. Monsieur Lawson, allez-y. Vas-y, lève-toi. Mademoiselle Hancock et moi avons fugué pour nous marier. Mais son père a demandé l'annulation. Vous aviez quel âge? Annie avait 18 ans. Et moi, 19. Vous aviez l'âge légal, pourquoi avoir accepté? Je n'étais pas d'accord avec lui. Nous étions vraiment très amoureux. Mais j'ai pensé que c'était mieux pour elle et j'ai signé à contre-cœur les papiers. Et ensuite? Ensuite, c'est tout jusqu'à ce que Maître McAllister découvre le problème. Vous ne vous êtes pas adressé la parole depuis quand? Nous ne nous sommes pas parlé depuis 15 ans. Du jour où j'ai quitté l'Iowa, elle a coupé court à tout échange. Quoi? C'est toi qui es monté dans ce bus sans t'occuper de moi? Madame la juge, Monsieur Lawson aimerait simplement avoir la possibilité de se marier samedi comme prévu. Sans m'occuper de toi, je t'avais donné rendez-vous à l'arrêt de bus et tu n'es pas venu. Monsieur McAllister, faites taire votre client. Oui, madame la juge, excusez-moi. J'avais une bonne raison de ne pas venir. Non pas que ça ait la moindre importance à présent. Tu t'es pas demandé pourquoi j'étais pas là? J'ai patienté jusqu'à la dernière seconde. Je t'ai envoyé des lettres. J'ai téléphoné. Il n'a jamais rien fait de tel. À quoi ça sert de mentir? Tout ça, c'est du passé aujourd'hui. Madame la juge, je ne suis pas un menteur. Oh, je refuse de supporter ça plus longtemps. Annie. Non, Annie, que revenez. Que signifie tout ceci, maître? Ben, ne fais pas ça. Ben. J'estime que ces circonstances exceptionnelles demandent un temps de réflexion. C'est pourquoi vous et vos clients vous présenterez de nouveau devant moi lundi prochain, à 10h. Pas lundi, madame, ce sera trop tard. La séance est levée. Madame la juge, s'il vous plaît, Monsieur Lawson doit... Il doit se marier samedi. Je regrette, ce n'est pas mon problème. Non, bien évidemment, c'est... C'est mon problème à moi, forcément. Annie. Je suis montée dans le bus parce que tu n'es pas venue au rendez-vous. Même pas pour dire au revoir. Mon père a eu une crise cardiaque ce jour-là. Ça a été la première d'une longue série et je pouvais pas les laisser, ma mère et lui. Ils avaient tellement besoin de moi. Je suis vraiment désolé. J'ignorais tout ça. Et ensuite, il n'a plus jamais été le même. Tu sais, c'était un homme fort et fier. Il est devenu très dépendant au quotidien. Et pourquoi tu n'as pas répondu à mes lettres? Tu aurais pu au moins me rappeler. J'ai jamais reçu de lettres. T'as vraiment essayé de me joindre? Alors c'est vrai, tu n'en as rien su. Mon père.
voulait seulement me protéger, j'imagine. Il n'aurait jamais dû faire ça. Hé hey, oh, oh, oh. Alors, vous pouvez m'expliquer votre comportement, hein? Ben? Hey, bonjour, qu'est-ce que tu viens faire ici? Je suis passée à ton bureau après mon rendez-vous avec l'architecte, et tu sais quoi? Tu n'y étais pas. Et dans ton agenda, il est écrit tribunal, mais rien à propos d'une jolie femme. Voyons, ce n'est pas une jolie femme. Je crois qu'on pourrait la qualifier de jolie. Non, Annie est ma cliente. Elle et Ben sont de vieilles connaissances, elle a un problème, je suis son avocat. J'ai manqué un épisode? Non, je maîtrise la situation. Nous n'avons pas été présentés. Ben et moi sommes fiancés. Johanna Jorgensen. Oh, Annie Hancock. On est de vieilles connaissances, Annie et moi. De l'Iowa. Quand on bossait à la ferme, tous les deux. C'est la première fois qu'Annie vient à New York. Oui. Vous restez combien de temps? Notre affaire vient d'être repoussée à lundi prochain. Lundi? Eh oui. Dans ce cas, profitez bien de votre séjour. On se voit tout à l'heure, n'est-ce pas, mon cœur? J'ai un déjeuner avec un client. Johanna est décoratrice d'intérieur. Oh, ravie de vous avoir rencontrée. Moi aussi. Je suis censée me marier samedi, tu te souviens? Pourquoi lundi? Pourquoi pas plus tôt? On a 4 jours pour trouver une solution. L'agenda du juge est plein à craquer. Votre attitude inacceptable n'a pas aidé. Alors, on fait quoi? Je crois que j'ai un plan. Voilà. Tu vas te marier samedi, comme prévu. Tu devras signer un faux certificat de mariage, évidemment. Et ton union avec Johanna ne sera légale que lorsque j'aurai convaincu la juge de prononcer votre divorce. Ensuite, j'échangerai les certificats. Tout le monde y verra que du feu. J'en suis pas certain. Vois ça comme un simple tour de passe-passe. D'accord? Tu ne vas pas priver Johanna de son mariage, conte de fées. C'est l'événement de la saison. Tout le gratin sera là. Qu'est-ce que tu en dis? J'en dis que je dois rentrer chez moi, je regrette, mais je peux pas rester plus longtemps. Vous ne pourrez pas vous marier si vous n'êtes pas divorcé. La juge a été très claire, vous devez impérativement être présent lundi. C'est l'affaire de quelques jours, un peu de patience. D'accord. D'accord, mais j'ai du travail à faire. Des recherches pour ma thèse sur l'acidité des sols. Ça a l'air passionnant. Je vais mettre un bureau et un ordi à ta disposition. Tout ce que tu voudras. Oui, vous aurez un bureau et un ordi et tout ce que vous voudrez. Même une plante verte. Ouh, vous serez chez vous. Allons déjeuner, je meurs de faim. Allons, Ben. Si j'en crois les analyses, c'est chaud bouillant dans tout le secteur. Pourquoi tu... Salut. Tracy a dit que vous vouliez me voir. Oui. Pour une fois qu'on a une spécialiste des sols sous la main, profitons-en. Oh. Je veux investir dans King Fertilizer Corp. On doit faire vite parce que tout pousse à croire que les actions vont fortement augmenter. Je ne comprends rien à la bourse, désolée. Mais... Mais je connais les engrais et ceux de la marque dont vous parlez manquent de minéraux. Ils appauvrissent le sol et les puits. C'est pas l'avis de nos spécialistes. Des recherches poussées ont démontré que... Écoutez, je sais ce que je dis. J'étudie l'écosystème des sols sous l'angle de la biotechnologie. Vous faites comme vous voulez, mais... Je maintiens que King Fertilizer est un mauvais pari. Très bien. C'est toi qui as voulu son avis. C'est tout? Oui, c'est tout. Merci. Bien. Oh, ça va. Évite de la ramener. Annie! Bravo et merci. Les actions de King ont baissé de 6 dollars. Tu nous as évité de perdre beaucoup d'argent. Et c'est moi qui lui ai demandé son avis. C'est une bonne nouvelle. Pour vous remercier de vos conseils, je vous emmène fêter ça dans un des meilleurs restaurants de New York. Ce soir, c'est moi qui invite. Oh non, c'est pas nécessaire. Johanna et moi, on a prévu un resto. Eh ben moi, ça me va tout à fait. C'est d'accord? Alors à ce soir. Félicitations. C'est une chance pour moi que vous ayez opté pour ce sujet de thèse. Santé. Santé. Vous faites des études? Oui, je passe un doctorat. Votre thèse vous sera vraiment utile pour gérer une ferme? Pour tenir une exploitation agricole, il faut être polyvalent. C'est mon père qui répétait ça à longueur de journée. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. J'ai bouclé la liste des invités pour notre mariage. Seulement 406 invités. Aux dernières nouvelles, c'était 350. Oui, mais c'est l'événement mondial de la saison. Il y aura 406 invités à votre mariage? C'est dingue, c'est presque la totalité de Granby. C'est un peu comme si Joe et moi, on invitait toute la ville à notre mariage. Vous allez vous marier? Oui, je ne te l'ai pas dit. Non, Ben, tu as omis de le mentionner. C'est prévu pour quand, Annie?
Ce sera dans exactement 4 semaines. Je n'ai pas encore acheté la robe. Vous voulez rire? J'ai arpenté chaque quartier de cette ville en tous sens pour trouver la mienne. Je sais exactement où il faut aller. Johanna, je pense que tu as suffisamment à faire avec notre mariage. Je trouverai bien un moment pour m'occuper de ta vieille copine. Comme ça, vous me parlerez de Ben quand il était jeune et de ses jours heureux à la ferme. Oh, non, je suis pas sûre que... Je voudrais pas m'imposer. Vous n'avez qu'à passer à mon bureau demain matin. On se fera une virée shopping. Une virée entre filles. Ce sera amusant. Oh, certainement. Salut, Joe. Alors, comment ça se passe? Oh, ça va. Et de ton côté? Le tracteur a du mal à démarrer, mais Ed va jeter un coup d'œil. Ta mère et moi avons prévenu tout le monde pour notre mariage. Vous avez bien fait. Tu penses rentrer bientôt? Je devrais en savoir un peu plus lundi prochain. Tu sais, c'est pas pareil ici sans toi. Ta mère est là, je mets le haut-parleur. D'accord. Tu nous manques énormément, chérie. Coucou, maman. Vous me manquez aussi. Écoutez, là, je dois filer, mais je vous rappelle demain, d'accord? Très bien. Bonne journée, chérie. Au revoir. Bye. Dites à François qu'il a un problème avec les couleurs. Ces roses ne sont pas roses, mais fuchsia. Et les chaises de la salle de bal sont horribles. Dites à Sergio de les remplacer. Oui, merci, je sais qu'il y en a 430 et que le mariage a lieu samedi, je suis au courant. Au revoir. Il lui faut une robe plus épurée. Il y a beaucoup trop de tulle. Je la trouve très jolie. Quand ce sera la bonne, vous le saurez. Allez chercher la robe bustier ivoire. Oui, madame. Écoutez... Johanna, j'apprécie tout le mal que vous vous donnez, mais j'ai pas vraiment l'habitude de ce genre de boutique. Je devrais peut-être acheter ma robe à Granby. Oh, il n'en est même pas question. Si l'Iowa était la capitale mondiale de la mode, ça se saurait. Moi vivante, vous ne quitterez pas New York sans une robe de mariée. Retournez immédiatement dans cette cabine et faites-moi confiance. Comme on dit, on ne se marie qu'une fois, n'est-ce pas? Oui. Le rêve commence avec la robe. C'est elle qui donne le thème général de la journée. Oui, sans doute. Parlez-moi du futur époux. Comment vous l'avez rencontré? Depuis combien de temps vous êtes ensemble? Joe est... C'est un garçon solide, c'est notre bras droit à la ferme depuis... Bien, depuis toujours. J'ai l'impression qu'on a pratiquement été élevés ensemble. Je n'arrive pas à croire que vous teniez une ferme. J'ai pas eu le choix après le décès de mon père. Mais je n'y arriverai pas sans ma mère et sans Joe. C'est quelqu'un de loyal. On peut compter sur lui. C'est aussi ce que j'apprécie le plus chez Ben. Son honnêteté, sa loyauté. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Alors, cette robe, qu'est-ce que ça donne? Non. Non. Oh. Elle est parfaite. Quelques petites retouches et vous la recevrez directement chez vous. Joe a de la chance, j'espère qu'il le sait. Merci. Je pense que Walker se fiche de nous. Allô, tu m'écoutes, Ben? Oui, pardon. Walker. J'étais en train de penser à Johanna et Annie, pour que tout se passe bien. C'est pour ça que tu es si distrait. Oui, ma future épouse aide mon épouse actuelle à se trouver une robe de mariée en prévision de son mariage avec un homme qui ignore totalement qu'elle est mariée avec moi. Oh, la toile que nous tissons quand la tromperie nous pratiquons. Je compte sur toi pour démêler tout ça lundi prochain. Tu me prends pour un débutant. Ça va, détends-toi. J'ai la situation en main.
Annie, ça va? Figure-toi qu'on parlait justement de toi. Comment s'est passée l'expédition shopping? J'ai trouvé ma robe de mariée. Ah oui, c'est fantastique. Si tu avais vu Johanna, elle était résolue à trouver la robe parfaite et c'est ce qu'on a fait. Donc, tout s'est bien passé? Oui, Ben, elle a été adorable. Je me sens tellement moche de ne pas lui dire qu'on est mariés. Et il y a aussi cette histoire de faux certificat de mariage. Je comprends tes scrupules, mais c'est promis. Dans peu de temps, il n'y aura ni secret à garder, ni embrouille. Oui. Elle est folle de joie à l'idée de ce mariage. Ah, Johanna. Coucou, mon amour. Je peux vous rappeler plus tard? Ma fiancée vient d'arriver. Oui. Oui. Les fermières aussi ont le droit d'être à la mode. Je devrais te rendre des visites surprises plus souvent. Qu'est-ce qui me vaut un tel accueil? Le futur marié n'a pas le droit d'embrasser la mariée. Je vous laisse, les amoureux. J'ai du boulot, moi. Merci d'avoir été aussi charmante avec Annie. Encore une autre de tes nombreuses qualités. Comment ça s'est passé? On lui a trouvé la robe parfaite. Et j'ai glané quelques informations à son sujet en chemin. Ah. Comme quoi? Rien de spécial. Des confidences entre filles. Mais c'est pas pour ça que je suis là. Tu sais, l'appart que j'ai remeublé à Chicago, j'ai raflé la couve de By Design, ils vont faire un sujet sur moi de 8 pages! Non, c'est fantastique! Oui, seulement je ne suis pas encore tout à fait satisfaite et tu connais mon obsession pour les détails. Donc, je vais prendre l'avion pour Chicago. Mais promis, je serai là pour la répétition du mariage. J'espère que tu m'en veux pas trop de t'abandonner. Non, bien sûr que non. Oh. Annie? Oh, qu'est-ce que vous faites ici? Ben a proposé de me prêter un bureau pour que je puisse travailler. Oh, écoutez, je vous remercie encore de m'avoir aidé à trouver ma robe pour le mariage. J'en suis enchantée. Ça m'a fait plaisir, franchement. Attendez, je viens d'avoir une idée. Puisque vous êtes coincés ici, venez à la répétition. Et au mariage, tant qu'on y est. Quoi? Oh non, je... Bien sûr que si. Vous et Ben êtes de vieux amis, il sera ravi que vous veniez. Je sais pas quoi dire. Alors, dites oui. Je dois filer. On se verra à la répétition. Ok. Ça va? Je suis invitée à ton mariage. Tu peux répéter? Tiens, Annie. Vous venez de rater votre meilleure copine de shopping. Non, Tony, je ne l'ai pas ratée et elle non plus. Elle m'a invitée à la répétition du mariage et au mariage. Tu sais que tu n'étais pas obligée de dire oui. Oui, mais elle s'est montrée tellement gentille. J'ai pas pu refuser. Je sais que ça va être très, très bizarre, mais je m'en sortirai. Un bon petit soldat. Ça va être du gâteau, de la pièce montée. Au moins 7 étages, si j'en crois Johanna. Vous devriez peut-être vous abstenir. Tout se passera bien, Tony. Écoute, je me sens un peu responsable. Johanna est partie à Chicago, donc je suis dispensée de corvée de mariage. Si tu veux, ce soir, je te ferai visiter mon New York. Excellente idée! Sors-la, invite-la à dîner. Vous fêterez votre divorce. C'est vrai, tu connais rien ici. Venir jusqu'à la grosse pomme et ne pas mordre dedans? Tu n'auras peut-être plus jamais cette chance-là. Bon, d'accord. D'accord. Hector, permettez. On va faire visiter la ville à mademoiselle. Très bien, monsieur. C'est gigantesque. Il y a tellement de monde, c'est dingue. Dû être guide touristique. C'est pas fini, on a vu que Manhattan, il y a encore plein d'autres quartiers. Oh, j'aimerais bien qu'on ait plus de temps ensemble. Moi aussi. Cet endroit, comment
Comment tu l'as déniché ? Eh bien, au début, quand je suis arrivé, je trouvais la ville parfois un peu étouffante. Alors j'avais l'habitude de me réfugier dans des cafés douillets et rassurants. Comme ça, j'avais moins l'impression d'être un étranger. Maintenant, tu es parfaitement à l'aise ici. Je ne suis qu'un garçon de ferme en costard sur mesure. Oh, à d'autres, je te rappelle que t'as un chauffeur et plus de 400 convives à ton mariage. Prête à reprendre la visite ? Je te montre la 5e avenue et ensuite, j'ai réservé pour le dîner. Je peux te parler, franchement. Je t'en prie. Écoute, je suis ravie que tu me montres tous ces endroits merveilleux qu'il y a à New York, seulement c'est pas la peine de... d'essayer de m'impressionner. J'essaie pas de t'impressionner. D'accord, peut-être un petit peu. Mais seulement parce que la vie que je mène aujourd'hui est celle dont j'avais rêvé. Pour nous deux. On fera ce que tu voudras. T'as envie d'aller où ? Emmène-moi dans un endroit où je me sentirai pas mal si je me sers de la mauvaise fourchette. Je sais exactement où t'emmener. On peut même manger avec les doigts. Allez, viens, on y va. D'accord. Où allons-nous, monsieur ? Nous allons à Brooklyn. Vraiment ? Oui, monsieur. J'ai peur qu'on ne soit perdu, monsieur. Pas du tout. Quand je suis arrivé, je vivais ici. 4e étage sans ascenseur et sans eau chaude. C'est tout ce que je pouvais m'offrir. Oh, tu vois, c'est exactement le New York que je voulais voir. Celui dans lequel tu as vécu. Je te fais visiter ? Profitez-en pour manger. On vous retrouve plus tard. Comme vous voudrez. On marche un peu ? Avec plaisir. Donc, c'est ici, le premier quartier où j'ai vécu en débarquant de l'Iowa. Ah oui ? Ouais. J'ai adoré vivre ici. Ma proprio, Madame Peterson, m'avait fait une remise sur le loyer. Elle disait qu'elle croyait en moi, que j'aurais un bel avenir. Elle avait du flair. Alors, raconte-moi comment on passe d'un... 4e sans ascenseur à un loft dans un quartier chic. La chance. Et un peu de talent aussi. Non, en fait, c'est grâce à ton père, tout ça. Il se trouve qu'il était fâché avec les chiffres, alors je l'aidais. Tu faisais sa compta ? Pas complètement, seulement. C'était pas évident pour lui, alors que moi, je trouvais ça facile. Donc je lui donnais un petit coup de main. Reprenons au début. Tu arrives à New York, et ensuite ? J'ai trouvé un poste comme garçon de course pour un trader de Wall Street. Il a remarqué mon don pour les chiffres et... il est devenu mon mentor. J'ai beaucoup de chance, j'aime mon métier, mais... je bosse tellement dur que parfois, j'oublie de lever le pied. Tu as toujours faim ? Tant que tu ne traînes pas dans un resto de luxe. Qu'est-ce que tu penses de ça ? J'adore les pizzas ! Ah ouais ? Ouais. Bonsoir, 2-4 fromages, s'il vous plaît. Tu vas voir. C'est la meilleure ? Absolument, ma préférée. Vraiment ? D'accord. De très loin. Tenez, merci. Merci. De rien. Voilà pour toi. Miam, miam. Il fait les meilleures pizzas de New York. Les meilleures de toutes. T'en es sûr ? Tout à fait. Très bien. Attends. C'est pas comme ça qu'on fait à Brooklyn. Oh, d'accord. Tu la plies en deux. Voilà. Allons-y. Ouais, c'est bon. Elle est excellente. N'est-ce pas ? Ouais. Attends, t'as un peu de... Quoi ? Quoi ? D'huile. Oh ! Oh, je m'en suis mis partout. On mesure la qualité d'une pizza au nombre de tâches qu'on se fait. Et en plus, on la mange avec les doigts. Tu as déjà amené Johanna ici ? C'est pas vraiment son genre.
que c'est une blague? En plein Brooklyn? J'y suis pour rien. Brooklyn est mon quartier préféré. Tu veux boire quelque chose? Oui, je veux bien un soda, okay. S'il te plaît. Deux sodas, s'il vous plaît. Très bien. T'avais raison, j'ai jamais mangé d'aussi bonne pizza. Ça fait du bien parfois de se rappeler d'où on vient. Oh. J'ai pas veillé aussi tard depuis des siècles. C'est l'endroit que je préfère dans toute la ville. Avant, je croyais qu'à New York, il n'y avait rien d'autre à voir que des centaines de gratte-ciel. D'une certaine manière, ce parc m'a toujours rappelé l'Iowa. Ouais. Tout semble démesuré dans cette ville. Pourtant, quand on y pense, elle couvre pas beaucoup d'hectares. Tu réagis comme une fermière. C'était plutôt un compliment. Oui, je comprends que tu te sois éclaté ici. Granby était trop petit pour toi. J'étais attaché à certaines choses. Ben, je te remercie. C'était comme un rêve, ces deux derniers jours. Ouais, c'est vrai. On dîne ensemble ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Entre. Oh, tu es splendide. Magnifique. Oh, je ne suis qu'une fille de la campagne dans une robe de créateur. Bien vu. Oh, Ben, c'est vraiment beau chez toi. Je voulais que tu vois où je vis. Il m'a fallu des années pour arriver là. Tu aimes? Tu plaisantes ou quoi? Oui, oui, il n'y a vraiment rien acheté. Pourtant, Johanna a décidé de tout refaire. Elle veut quelque chose de plus dépouillé, plus moderne. Oh, je crois que... Je sais pas, j'aime cet endroit tel qu'il est. Fais comme chez toi. Je vais chercher un verre. D'accord. J'ai aperçu le piano. Non, et... je t'en prie, ne t'arrête pas. C'est sûrement la dernière fois que quelqu'un en jouera, de toute façon. Johanna veut qu'on s'en débarrasse. Pourquoi? Eh bien, c'est vrai que maintenant, j'ai plus le temps d'en jouer et il ne cadre pas avec sa vision des choses. Oh. Sa vision des choses a besoin d'une bonne révision. Tu veux que je te montre la terrasse? Oui, bien sûr. Merci. J'aimais t'entendre jouer avant, à la ferme. Je m'installais sous le porche à l'arrière, je fermais les yeux et je me laissais emporter. C'est pour ça que mon père ne savait jamais où tu étais. J'y crois pas. Wow, c'est féerique. Qu'est-ce que tu dirais de porter un toast? Oui, d'accord. À notre divorce. À notre divorce. Vraiment, c'est incroyable cette vue. Ouais, je sais. Donc, tu passes ton doctorat en chimie agricole, c'est bien ça? Oui, oui, je fais ça pour gagner en crédibilité. Je veux démontrer que l'utilisation des pesticides n'est pas une fatalité.
C'est ambitieux. Oui, j'en suis consciente. C'est pour ça que c'est pas facile d'avoir des aides. Voilà, je t'explique. Je fais pousser des générations de maïs plantés dans un sol de type très alcalin. Les études portent spécifiquement sur la résistance aux pesticides et... et j'ai aussi semé des herbes en bordure des champs de maïs qui sont des répulsifs naturels. Ils font fuir les nuisibles et les ravageurs et on n'a plus besoin d'avoir recours aux pesticides chimiques. J'espère que ça marchera. Tu sais, je suis plutôt doué pour signer des chèques. Je peux te financer ? Non, 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 non. Joe verrait ça d'un très mauvais œil. Moi aussi, parce que c'est quelque chose que je dois faire par moi-même. Mais je l'aurai, cette bourse, t'en fais pas. J'avoue que je t'envie. Pourquoi ? Tu es passionnée. Les recherches que tu fais ont du sens. Peut-être, mais tu t'es plutôt bien débrouillée. Tout ce que je fais, c'est vendre et acheter des actions. Ça va pas plus loin. Ça semble creux au bout du compte. Quelquefois, je me demande ce qui se serait passé si j'étais restée dans l'Iowa. Ne parlons pas de ça, s'il te plaît. J'aurais au moins appris qu'un cœur brisé peut vous pousser à réussir. Je suis heureux que tu sois de retour dans ma vie. Parce que tu me rappelles qui je suis vraiment. Ou qui je veux être, en tout cas. J'ai peur de l'avoir un peu oublié pour obtenir ce que j'ai. Ben, je vais pas revenir dans ta vie. Tu vas te marier avec Johanna, moi avec Joe, et... dès que ce divorce sera effectif, on ne se verra plus. Peut-être que non. Mais peut-être que... Non, Ben. On a pris des engagements avec d'autres personnes. C'est comme ça. Toi et moi, on a choisi nos vies. Non, s'il te plaît. Pardon, mais je peux pas. Annie, Annie. Merci pour cette charmante soirée et pour la journée aussi. Annie. Merci. Annie. Attendez, je vais vous raccompagner. Non, ça ira, Hector. Je vais marcher. Voyons, je vous en prie. Venez. Vous avez envie de parler ? Je sais pas, tout ça est si étrange. Vous devez connaître notre histoire, à Ben et à moi. Oui, je la connais. Monsieur me prend souvent pour confident. J'imagine que vous ne devez plus savoir où vous en êtes, tous les deux. Oui, seulement ça, ça ne devrait pas être le cas, pas du tout. Moi, je vais épouser Joe, lui, il va épouser Johanna. Ça devrait être clair. Seulement, vous vous êtes revus et ça a réveillé de vieux sentiments. Eh oui. Très, très vieux. Je veux dire, Ben et moi, on s'aimait vraiment, mais il y a longtemps, dans une autre vie, on dirait que... qu'on n'est pas arrivé à tourner la page. Je comprends. Ça serait plus sage de rentrer à la maison. Ce petit jeu est devenu beaucoup trop... trop compliqué à gérer. Puis-je me permettre un conseil ? Oui, allez-y. Est-ce que le bonheur de Monsieur Ben a de l'importance à vos yeux ? Bien sûr. Beaucoup. Ce petit jeu, comme vous l'appelez, engage votre futur bonheur à vous aussi. Je comprends que ce soit difficile pour vous, pourtant, je pense que vous devriez vous en tenir au plan initial. Restez à New York jusqu'à lundi prochain. Oui, peut-être. Vous verrez qu'au bout du compte, tout se passera comme ça doit se passer. C'est ce que mon père disait toujours.
Annie Hancock, je suis ravie que vous restiez. Non, laissez. Hector, je n'ai pas de meilleur ami que vous à New York. Bonne nuit. Bonne nuit. Ne la laisse pas filer, Ben. Ça ne prendra pas plus de quelques minutes. Je reviens. Oui. Salut. Ça va? Je t'ai appelé, je croyais que t'étais rentré à Granby. Non, je suis restée. C'est mieux pour tout le monde. Hector m'a dit que vous aviez parlé tous les deux. Est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien. Je suis impatiente de reprendre l'avion et de rentrer chez moi. J'avais saisi. Seulement, je crois quand même qu'on devrait parler de ce qui s'est passé. Il ne s'est rien passé et il ne se passera rien, donc je ne vois pas l'utilité de parler. Annie! Ah, ça fait plaisir de vous voir. Ben. Tout s'est bien passé à Chicago? Oh, c'est gentil de demander. C'était ma première couverture, mais Dieu merci, tout s'est passé à merveille. Félicitations. Merci. Vous êtes très belle. Si vous voulez bien regagner vos places, je vous prie. Prête, fille. Ah, je dois y aller. Les demoiselles d'honneur entreront par le fond de la salle. Vous, messieurs, vous prendrez place à ma gauche. À présent, vous remontez la salle. Demain, quand la salle sera pleine, ce sera le moment de vous lever, afin d'accueillir la mariée. Une fois que la mariée et son père nous ont rejoints, il la remet à son futur époux. Va, ma chérie. Ben, vous prenez la main de Johanna et vous lui faites face. Je dirai ensuite quelques mots à propos des futurs mariés, avant de procéder à l'échange des vœux. Annie, par cette alliance, je te fais mienne. Et pour finir, je vous déclarerai mari et femme. Salut, Joe. Allô, Annie, j'ai une mauvaise nouvelle. On annonce l'arrivée d'une grosse tempête. Le vent est très violent. Grosse comment? Eh bien, si la rivière déborde, les récoltes seront perdues. Je vois. Bon, dans ce cas, je fais mes bagages et je rentre. Ouais, d'accord. Annie, est-ce que ça va? Oui, enfin, on annonce une énorme tempête. Il se peut que les champs soient inondés et je dois rentrer. Et la convocation de la juge? Je serai pas là, désolée. Tony trouvera bien un prétexte. Tout ce maïs planté pour mes recherches. Je vais peut-être tout perdre, tout ce pourquoi j'ai tellement travaillé. Ton mariage, comment tu vas faire? J'expliquerai à Joe qu'on doit repousser. J'espère qu'il voudra bien me pardonner de lui avoir menti. Écoute, dis à Tony de m'envoyer les papiers du divorce quand il les aura. Au revoir, Ben. Annie. Non, s'il te plaît, ne dis rien. Le marié veut s'enfuir. Qu'est-ce qui vous arrive à tous les deux? Pourquoi Annie a filé sans prévenir? Tout va bien? Non, tout va pas bien, Johanna. Toi et moi, il faut qu'on parle. C'est bon, je l'ai. Passe bien. Mariage de l'année annulé par la mariée.
Bonjour. Bonjour. C'est une magnifique journée qui commence, pas vrai? Le calme après la tempête. Je crois que les récoltes sont sauvées. On n'a toujours pas parlé de ce qui s'est passé. Non, parce qu'il s'est rien passé. Rien d'autre que des réminiscences. Bon, si jamais tu as envie de parler du fait qu'il ne s'est rien passé, n'oublie pas que je suis là. Merci, maman. Il y a du nouveau? Non. Le comité met trop longtemps à délibérer. Oh, c'est pas bon signe pour ma bourse. Tu ne dois pas te décourager. Pourtant, j'essaie de faire quelque chose de bien, d'utile. Tu as fait plein de choses bien dans ta vie. C'est grâce à toi si cette ferme existe encore. Maman, on atteint à peine nos quotas. Est-ce que tu savais que ton père a failli perdre la ferme par deux fois? Quoi? Oui, il avait du mal à gérer la pression et les problèmes d'argent. Ce qu'il aimait, c'était travailler la terre, pas faire sa compta. Ben l'a beaucoup aidé de ce côté-là. Tu savais qu'il l'aidait? Il ne savait pas que je savais. C'était mieux comme ça. Ton père était un homme fier. J'ai toujours cru qu'il gérait, qu'il avait le contrôle. Toutes les filles aiment croire que leur père est un homme sans faille. Ouais. Je ferais mieux de me mettre au travail. Ne t'inquiète pas, tu verras qu'au bout du compte, tout se passera comme ça doit se passer. Je sais, maman. C'était la phrase préférée de papa. T'aurais pas une idée brillante pour nous sortir de là? Je travaille, mon pote. Madame la juge... Où est mademoiselle Hancock? J'avais bien spécifié que les deux parties devaient être présentes. Voilà, en fait, c'est assez compliqué. Madame la juge, mademoiselle Hancock a dû repartir dans l'Iowa en raison d'une urgence. J'aimerais plaider notre cas, si vous le permettez. Je n'ai pas l'intention de me marier, ni cette semaine, ni une autre semaine. Néanmoins, je supplie cette cour de prononcer le divorce afin qu'Annie puisse épouser son fiancé. Elle a droit à sa part de bonheur. Bien qu'étant touchée par cet émouvant plaidoyer, j'ai peur de ne pouvoir donner suite à votre requête, sans avoir entendu mademoiselle Hancock. Affaire suivante. Madame la juge, j'ai pris ma décision. Au revoir, maître. Désolé. Un discours bouleversant. J'ai failli tomber dans le panneau. Je veux qu'Annie soit heureuse. Cette partie-là, j'y ai cru. Mais pas celle qui concernait Joe. La nuit est pleine d'étoiles, comme si la tempête avait nettoyé le ciel. Annie, je... Il y a quelque chose que je veux te dire. Mais d'abord, je suis heureux que tu sois de retour. Tu sais... T'aurais pu me dire que Ben et toi, vous étiez mariés. Je te demande pardon. Je savais pas comment te l'avouer. Ça ne m'ennuie pas d'attendre le temps qu'il faut pour que le divorce soit prononcé. C'est bien qu'on soit de nouveau sur la même longueur d'onde. Toi et moi, on est un peu comme une machine bien huilée, pas vrai? Tu vois ce que je veux dire? Non, pas vraiment. On plante, on sème, on cultive, on récolte. On fait le job, quoi. Écoute, Joe. Je crois que j'ai pas envie de faire partie d'une machine bien huilée. C'est qu'une façon de parler. Non, écoute. Sache que j'apprécie l'aide que tu nous apportes à la ferme depuis toujours, mais c'est de la gratitude que j'éprouve.
C'est le genre de sentiment qu'on a envers un vieil ami, pas celui sur lequel on peut bâtir un mariage. Pas comme Ben et toi. Je suis pas de taille à me mesurer à un fantôme. C'est pas de Ben et moi qu'on est en train de parler. Ah oui, t'es bien sûr de ça? Ou peut-être que si. Je sais pas. De toute façon, il est avec Johanna maintenant. Joe. Là. Il s'agit bien de toi et moi. Deux ans de fiançailles, j'aurais dû me douter qu'il y avait un problème. Joe, où tu vas? Je sais pas, j'en sais rien du tout. Tu vas pas t'en aller, pas définitivement. Aucun risque. La ferme passe avant tout. Joli morceau. Excusez-moi, j'étais perdu dans mes pensées. Oui. Est-ce que vous lui avez parlé? Johanna refuse de m'adresser la parole. Je l'ai humiliée en public. Elle ne veut plus rien avoir à faire avec moi. Je voulais parler d'Annie. J'ai voulu l'appeler une douzaine de fois. Mais pourquoi forcer les choses? Elle m'a bien fait comprendre qu'elle tenait à ce que le passé reste à sa place. Eh bien, j'ai une confession à vous faire, monsieur. Je me suis beaucoup attaché à Annie pendant son séjour ici, alors je l'ai appelée pour savoir si elle allait bien. Et alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a reçu une mauvaise nouvelle, sa bourse ne lui a pas été accordée. Ça a dû être un coup dur. Bien sûr, mais elle n'est pas du genre à se laisser abattre. Toutefois, je me suis dit que c'était une belle occasion pour faire un geste envers elle. Je lui ai proposé mon aide, elle m'a envoyé paître. C'est bien la première fois que vous baissez les bras devant un refus. Je ne veux pas qu'elle se sente gênée. Je suis sûr que vous trouverez une façon délicate de vous séparer de votre argent. Après tout, peut-être. Hector, qu'est-ce que je ferais sans vous? Oh, vous déprimeriez dans votre loft, au lieu de partir pour l'Iowa. Dites-vous, elle a emporté ma bourse avec elle. Ça va, ma chérie? Salut. Oh, ça peut aller. Je n'ai rien qu'une petite balade dans les champs ne puisse guérir. Je suis désolée, ma grande. Ça va aller. Le comité craignait que la tempête ne compromette les résultats de mes recherches, mais je suis sûre que ça n'aurait pas été le cas. Tu as fait ton maximum. Je suis fière de toi. Merci. Désolée que ça n'ait pas marché avec Joe. Il n'a pas l'air de trop mal le prendre. Je l'espère, en tout cas. Tu as pris la bonne décision. Il vous manquait cette petite flamme, ce petit truc en plus qu'on avait, ton père et moi. Il ne me manque jamais autant qu'à des moments pareils. Ouais. Oui, à moi aussi. À moi aussi. Espérons que demain les récoltes seront bonnes. Annie? Oui?
Annie ? Oui ? Oh, tout le monde est là, on va commencer. Tout va bien ? Oui, ça va. Mes chaussures. Ne traîne pas trop. Oui. À tout de suite. Monsieur, j'ai les chiffres que vous m'avez demandés. Vous devez prendre votre décision avant la fermeture de la bourse. Si, je suis en retard. À vous de décider. Mais, monsieur ? Où est-ce qu'il court comme ça ? J'en sais rien. Il n'y a pas de perturbation. Votre vol est juste à l'heure. Vous m'invitez vraiment à vous accompagner ? Pas question que j'y aille sans vous. J'ai l'impression de partir à l'aventure. J'ai jamais mis les pieds dans la Yowa. La région va vous plaire. Et les gens, surtout s'ils sont aussi sympathiques qu'Annie. On dit qu'on ne retrouve jamais son passé, mais c'est ce qu'on va voir. C'est bien. Ça fait des bonnes journées, hein ? Ce soir. Merci, merci Bill, la charge de revanche. Votre attention, tout le monde ! Bien. Alors voilà, malgré les dégâts causés par la tempête et les champs inondés, cette fois encore, on a fait nos quotas. Merci à tous, vous avez été durs à la tâche. Ce soir, c'est la fête des récoltes. Profitez-en, vous l'avez bien mérité. Allez boire quelque chose, il y a des boissons au frais près de la grange. Merci, merci à tous. Ça n'a pas été facile, mais tu as encore réussi. On a réussi, encore une fois. Tu n'as plus qu'à aller te faire belle. Te coiffer, faire tous ces trucs de fille. Je vais peut-être mettre ma robe rose pour l'occasion. Maman, je vais pas aller à la fête ce soir. C'est l'événement de l'année que tu préfères. Je sais, seulement je suis pas d'humeur à danser et à faire la fête. Je sais que tu en as bavé récemment. Mais crois-moi, danser t'aidera à oublier tout ça. McAllister. Oui. Vraiment ? Donc c'est officiel. Merci. Yes ! Je suis le meilleur. Tracy, trouvez-moi Ben. C'est urgent. Urgent dans le bon sens. J'ai une nouvelle qui va lui plaire. Je suis contente que tu aies changé d'avis. C'est marrant, la fête des récoltes. Si tu le dis... J'en suis sûre. Annie, fais-moi un sourire. Tu vas voir, on va bien s'amuser. Fais-moi confiance. Oh, regarde, il y a Marla. Hey, bonsoir. Oh, salut. Ça me fait plaisir de vous voir. Ça va. La soirée se passe bien? Je suis contente de vous. C'est la fête. Bienvenue à Granby, Hector. Qu'est-ce que tu viens foutre ici ? À moi aussi, ça me fait plaisir de te voir. Qu'est-ce que tu veux, Ben ? Non, laisse tomber. En fait, je veux pas le savoir. Tu vois, j'ai bien envie de te mettre mon poing dans la figure. Mais je le ferai pas. Parce que je veux qu'Annie soit heureuse. Pourquoi tu me dis ça ? Attends, t'es pas au courant ? De quoi ? On a rompu. Joe, je suis désolé. Non, tu l'es pas du tout. Je dirais que vous arrivez au bon moment. Connaissez la chanson Forever Love ? Oui, bien sûr. Vous pouvez la jouer. Ok. The first time.
danse avec l'unique amour de ma vie. Mais, Joanna... Nous avons rompu. Joe et moi, on n'est plus. Je sais. Bonsoir. Bonsoir. Salut, Joe. Salut, Mary Jane. Lou, moi, c'est Marie-Lou. Tu es ravissante. Quand tu ne penseras plus à Annie, passe-moi un coup de fil. Si on allait parler dehors. Pourquoi tu m'as pas appelé ? Tu étais avec Joe. Mais alors, pourquoi t'es venu ? D'abord, j'ai su que tu ne l'avais pas eu. Je voulais te proposer mon aide. Oh, Ben, j'ai pas besoin d'être sauvée. C'est peut-être moi qui en ai besoin. J'en ai marre de vendre et d'acheter, d'amasser de l'argent. Je veux me rendre utile, moi aussi. Je t'accorde une bourse. De la Fondation, nous avons foi en vous. Tu me rembourseras quand t'auras sauvé le monde. Jusqu'au dernier centime. Ben ! Comment t'as réussi à me trouver ? C'est Tracy qui a retrouvé ta trace. J'ai convaincu la juge de signer les papiers du divorce. Tous les deux, il ne vous reste plus qu'à signer ici. Et vous serez officiellement divorcés, libre d'épouser qui vous voulez, où vous voulez, quand vous voulez. Qu'est-ce que vous faites ? Désolée. J'ai raté quelque chose ? Mademoiselle Annie Hancock, voulez-vous me réépouser ? Oui ! Oui, je le veux ! On dirait que j'ai raté pas mal de choses. Le véritable amour ne meurt jamais. Non, mais parfois il se fait attendre une quinzaine d'années. Oh. Annie, par cette alliance, je te fais mienne. Ben, par cette alliance, je te fais mien. Je vous déclare mari et femme. Vous pouvez maintenant embrasser la mariée. Thank you.